Vita Club sur une belle série de deux victoires consécutives affronte une équipe ambitieuse des Rangers et Limpanzu. Ah oui, Gomamanyanga qui frappe. Oh là là, les trucs de Gomamanyanga. Attention, Vita Club qui s'approche donc. Ah, ah, belle déviation. Et pourtant, la balle était juste au bon point de pénalité. Et la contre-attaque avec Chitenge Silva. Chitenge qui avance. Le ballon de Chitenge. Revenir à l'intérieur pour servir d'appui. Norberto Kiatelua dans le parage. Kiatelua qui frappe. Hassan Bimba aussi en France. Ingoli Yosso, tout à fait, je sais les la passe d'Ingoli Yosso. C'est bien trouvé, il y a du champ, le centre de Moussa Nganimbo. Chitenge qui se jette. Ah, c'était plutôt Muriel Ozasia qui s'est jeté directement. Et cette façon de défendre incroyable de la part de Farid Wedogo pour protéger donc sa cage. De créer cette transition assez bien donnée. Chitenge Silva qui s'échappe de la plus belle manière. Attention, Papa Sakande qui s'injecte. Là, on revoit encore. Ah, il y a cette main quand même. On peut quand même essayer d'y revenir. Regardez. On a des espaces qui s'offrent à eux. Kika Boucheri pour Samson Mangua dans la souffrance. Le centre de Samson Mangua et la tête de Mwananda pour défendre ou encore d'empêcher le joueur des Vita Club. Oh là là. Wimba qui glisse. Chitenge avec Malanda, l'ancien de Belor. Malanda qui frappe. La relance d'Ingoli Yosso. Chitenge Silva. Chitenge. Ah, la prise de balle. Il y a Malanda. Chitenge, il faut donner à son coéquipier. Chitenge qui frappe. Il tente sa chance. Chitenge Silva l'avançant. Devant Yao Songambe. Malanda le centre. De Malanda la tête de Moulali Ozasia qui a plongé. Malheureusement, c'est très mal ajusté. Et aussi, j'aime ce qu'il fait les défenseurs parce qu'il reste au contact. Alors, pour défendre, Apataki Edouard. Edouard Apataki. Goman. Allez, il faut profiter Goman du Yanga. Champ. Goman devant Kapanga. Il s'appuie toujours, il est Panzuli catalyseur. Sam Samanga. Goman Wanyanga. Panzueli. Les bons gestes de Panzueli. Panzueli qui va armer la frappe. Oui, c'est le fait. Le but est incroyable. Panzueli pour son premier but de la saison. Et vraiment ce génie qui vient faire la différence du côté de V-Club. Parce qu'on a essayé de passer par le couloir, négocier énormément cette qualité des centres. Mais après, il fallait ce génie, il fallait ce geste en plus. Il fallait cette qualité individuelle pour faire en sorte que Vita Club puisse passer devant dans ce match. C'est parti d'un travail exceptionnel. Regardez, on revoit, regardez ce geste de qualité et la frappe tout de suite. Ah, c'est un tout petit peu contraint, hein, parce que regardez avec moi ce geste merveilleux, la frappe qui est un tout petit peu déviée par ligne des mires. Regardez ce geste, c'est de la spontanéité et la frappe aussi tout de suite, c'est spontané. Ça revient à l'intérieur du but. Surprendre. Oh là là, ah, ce geste incroyable. Ah, si on peut bien le revoir, ce geste, regardez. Ah, prise de balle tout de suite derrière. Spontanéité lui aussi. Il veut faire parler de sa qualité. Ah, Farid qui s'impose, qui s'interpose. Ah, Molia, regardez, il peut se nourrir de regrets. La pause ici au stade de Raphaël. 1 pour Vita Club, 0 pour Manchex. Kika Bushikira, Missouri, le tic des Missouri. Ouh là là. Très bon dans ce geste technique. Le centre de Kakalua. Kika Bushikira qui surgit directement, malheureusement, il n'arrive pas à mettre les pieds au bon moment. Sam Salanga, Ayao Songambe. Et Limpanzu, le catalyseur. Panzu qui frappe. Ouais, il n'y a pas vraiment cette... Le catalyseur, Panzu qui avance. Le catalyseur, encore Panzu pour Missouri. Missouri qui frappe. Il a trop appuyé le ballon, Missouri. Quel travail incroyable de ces catalyseurs, Panzu D'appui à chaque fois, mais qui n'est pas le à chaque fois trouvé. Encore. Ah oui, c'est bien dosé ce ballon. Oh là là, cette tête de Molia. Molia Yosasia, Molia, il faut centrer Molia. Le ballon de Molia. Heureusement pour Vita Club, les gardiens qui captent la balle. Mauvaise relance de Julien Goma.
Oh là là, la perte des balles. Panduelli va profiter. Panzu qui accélère. Panzu, le centre de Panzu qui pourrait prendre la balle. Mongolo pas là. Pousse, on a Enapo. Il a tenté le crochet. C'est terminé. La victoire des Vita Club 1-0 devant Angers.